En télétravail, il n'est pas toujours évident de concilier ma vie privée et ma vie professionnelle. Que suggérez-vous ? De nombreux parents sont obligés de travailler à la maison tout en s'occupant de leurs enfants. Ce qui n'est pas sans provoquer des difficultés, car même si on est heureux de passer plus de temps ensemble, il y a aussi les rapports à rédiger, les projets à boucler, les échéances à respecter, sans compter les visioconférences qui ne sont pas évidentes avec des cris ou rires d'enfants en fond sonore. Et ce n'est pas évident de concilier vie professionnelle et la vie privée. Une des premières choses à faire, c'est de pouvoir autant que possible aménager un coin pour travailler, une pièce pour s'isoler, pour pouvoir travailler dans le calme et distinguer vie professionnelle et vie privée. La deuxième chose à faire, c'est de fixer des règles avec votre famille, vos enfants, sur quand vous travaillez et quand on passe des moments ensemble. Passer des moments de qualité au travail vous permettra de passer des moments de qualité en famille et ça vous évitera peut-être qu'un de vos enfants fasse des grimaces lorsque vous êtes en visioconférence, en réunion, à distance avec vos collègues. Comment adapter mon quotidien pour ne pas déstabiliser mon enfant ? C'est de partir d'abord des besoins de votre enfant et des besoins de votre famille. Et donc peut-être qu'il faudra peut-être adapter quelques horaires, surtout si tout le monde reste à la maison. C'est aussi insister sur les horaires. Et donc le temps de l'enfant, il est souvent structuré au moment du lever, du coucher, les temps de repas et les temps d'activité. Donc l'enfant ait bien ces repères-là tout au long de la journée, ça va déjà l'aider. Et savoir aussi quand vous êtes disponible et quand vous n'êtes pas disponible pour ces moments-là et les activités qui sont permises ou pas. Pour que le télétravail se passe au mieux, surtout quand il y a des enfants à la maison, il est essentiel de bien s'organiser et de modifier ses habitudes afin de séparer le plus possible vie privée et vie professionnelle. Plus facile à dire qu'à faire, des experts et des parents vous livrent leurs conseils et astuces sur la page web R2Famille, télétravail avec des enfants. Retrouvez R2Famille chaque semaine dans Soir Mag et Soir Mag Plus.